Bonjour, voici la cinquième vidéo que j'enchaîne en fait tout de suite après la quatrième vidéo. Donc là, je viens de tomber de là-haut. Je suis encore apparemment dans le métro. Je continue tout de suite après la vidéo 4 parce que franchement, j'aime ce jeu, même si ça fait peur. J'aime bien. Bon, de toute façon, j'ai toujours aimé les jeux d'horreur. Et maintenant, avec le VR, là, c'est. Je suis aux anges ou en enfer, ça dépend. Alors, un petit labyrinthe. Je rêve, c'est des enfants là. Donc là, c'est fermé. Là, c'est d'où je viens. Si on avait le joystick, ce sera mieux. Bon, je pense qu'il faut aller là-bas, hein, mais je fouille un petit peu. Bon, tout est fermé. Allez. On va y aller. Putain, mais je fais quoi là? Ah! Ça commence! Il y a une porte. C'est fermé, non? Ça ressemble à un boss. Ça ressemble à un boss, je vais où? Ah, je suis bloqué là. Non, il arrive là. Ah, la lampe, elle va s'éteindre en plus. Wow. C'est un labyrinthe. Je suis sûr que c'est là, no entry, ouais, mais j'y vais quand même, on s'en fout. Wow. Ouais. Un peu de texte. Ils ont pris tout leur temps pour l'entailler, un petit coup de rasoir à la fois, ça a duré des heures, des jours. Sans goûter sur le carrelage, ils ont tout, chaque mot, chaque cri, pensé que c'était une prophétie, mais bordel. Ouais. Ok, salut les gars. Bon, on fait une petite somme là. Bon, on se couche. Bon, ok. C'est sombre. Oh là là, je sens que je vais être poursuivi tout le temps. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Il y a du sang partout au sol. Ah, ma lampe torche. Change ta pile. Dépêche-toi. Ah! Ah, il est derrière moi. Là-bas. Ouais, ce chemin, je suis sûr que c'est pas ça. On est à l'extérieur. Il y a un effet bizarre là. Ah. Ah ouais, en fait le monstre il fait. Enfin le monstre, le voyageur en feu là. Encore une photo. Et à un moment pendant la nuit, j'entendais le bruit du vent. C'est impressionnant de changer d'environnement comme ça là d'un coup. Ça surprend. Très fort. Et je sentais que c'était la force du vent. J'ai l'impression qu'il y a un visage dans la roche. Avec la force de l'eau. L'esprit de l'eau, on l'appelle Yemenja. Et l'esprit du vent, c'est Yansa. Et quand ils se rencontrent, tu sens leur présence en toi. Je vais où là? Que va-t-il se passer? C'est quoi cet arbre géant?
On voit les étoiles en fait à travers l'arbre. En fait, c'est comme un trou noir. C'est chelou. Faut que je me jette dedans. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce que je fais? Je fonce? Bon, allez. Ah. Qu'est-ce que... Il est fou ce jeu. On fait un petit tour de bateau dans les étoiles. Qu'est-ce que c'est? Il y a des colonnes. What the fuck? C'est magnifique, hein, franchement. Moi, je trouve ce jeu est classe. Il est vraiment classe. Bon, tout ça, c'est une cinématique, hein, un petit peu. Hein. Je peux bouger, mais. On dirait qu'il y a le logo de Batman, là. Les statues dans l'histoire sans fin. On me tirait des rayons laser. Ah putain, elle va me tomber dessus. Ça n'éclabousse pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Franchement, il faut le vivre ce genre de choses pour comprendre à quel point c'est impressionnant. C'est gigantesque. Aïe. Donc une tête dans le fond vert. Ça va pas le faire. C'est la fin du jeu, étant donné que c'est un petit jeu à 20€, je pense pas qu'il soit aussi long que Resident Evil 7. Wouah, c'est hallucinant. Petite fesse. Qu'est-ce que c'est? Ah là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Serait-ce la fin du jeu? Ouais. Continue un petit peu. Je suis toujours dans la barque. Je peux descendre. C'est marrant d'arriver dans le métro en barque. C'est logique. Donc là, il y a des piles, j'imagine. Même pas. Bon, on va repartir là-bas. Ouais. Donc, ce n'était pas la fin du jeu. Mais c'était une séquence cinématique assez, assez impressionnante. Ah,
J'entends du vent, courant d'air. Serait-ce la sortie? Bon, s'il me donne encore des piles, c'est que c'est pas fini. Putain, y a un bruit derrière moi. J'ose regarder. Qu'est-ce que... Putain, y a les ombres derrière. Je regarde. Il est où? Il y est pas. Ah, y a quelqu'un là-bas. C'est un gentil ou quoi? Lâchez-moi. Don't let them see you. Ne laisse pas te voir. Ta gueule, toi. Me stresse là. Donc il faut pas qu'il me voit, mais. Ah putain, la pile qui se. Allez, change vite. Ah, j'entends leur bruit derrière moi là. Bon. Don't let them see you. Ouais, je vais essayer. Y'a rien là. Bon. Donc on va aller là-bas. On va éteindre la torche. Oh putain. Oh ta gueule. C'est un bruit bizarre là. Je vais où là? Y'a un feu rouge. Waouh. Je dois m'arrêter? Bien beau, mais qu'est-ce que... Don't forget... Non, don't... Oui, don't forget us, ok. Ne nous oublie pas. On va passer par là. Du blabla, tu passes la nuit à chercher au final, t'as qu'une tranche de l'or. Je crois que ça marche pas comme ça, c'était un manivelle, elle tourne que dans un sens. C'est quoi, c'est un indice? Et quoi là? Rien du tout. Allez, on va avancer. Il y a une porte. J'entends du bruit là. Passer par là, on va descendre, il y en a un qui est là, allez on passe. Ah non, il m'a vu, enfin il doit me voir là. Merde, attends, c'est pas d'où je viens là, dans les MCU, non, c'est une autre. Mais je m'en fous de tes photos là. On finit par arriver à un checkpoint, à mi-chemin, et à un nouveau vaisseau. On annule. CTRL-Z, encore et encore, jusqu'à un point d'arrêt, jusqu'au checkpoint d'avant. CTRL-Z. Et alors, je sais marche arrière. C'est un truc de fou. Les larmes pour certains, les larmes pour les immortels. Putain, il y en a là. Ah ! Non, rentre. Et même, je pense. Donne-moi des piles, voilà. Pour tous les autres. Je crois que le chemin, c'était là-bas. Il y a des escaliers. Mais il y a lui, là. Je sais pas s'il peut rentrer dans les baraques. Allez, casse-toi de là, là. Bon, allez, je passe, je m'en fous, allez, je suis un fou. Coucou. Aïe! Putain, il m'a éclaté. Wouah, là, là, je vais où? Une poursuite, quoi. Ah!
C'est horrible, il est derrière moi. Je peux pas regarder la photo aussi. J'ai pas le temps. Non, c'est bon, il pleut. Je suis tombé sur un autre clodoir. Bah, en fait, c'était Willy Brown. Et Willy Brown jouait de la musique pour mon âme sur le pont. J'avais une radio de l'âme et il jouait. Il jouait pour moi. Il m'a trouvé dans le cosmos. Et il m'a dit un truc à Hollywood. Je vais peut-être un peu vite sans visiter, mais bon. L'orgueil causera ta chute. Alors. Tellement d'endroits là. Trop de regarder dans le miroir. Vous savez. Je cherche même pas à comprendre que ça correspond aux photos. On se prend autant la tête avec la loi. Ils veulent dresser tout le monde et nous. On se laisse pas faire, ouais. Et ils envoient ces pseudo-flics. Les officiers de police qui, après un, peuvent pas comprendre ce qu'est un permis. Oh. J'espère qu'il m'a vu. Il faut que j'aille où là? Je sais plus d'où je viens. Il y a un feu rouge là. Oh là là, il y en a un là. Bon, ah, c'est le bordel, je sais pas où je vais. Il va me taper lui. Il y a le métro là, je vais m'abriter dans le métro. Il va me frapper. Ah. Ça surprend à chaque fois, putain. J'ai l'impression que. Connaître cet endroit. Putain, ce jeu. Ok, cul de sac. Buddy, c'est toi? Oh. Quoi? Buddy? Qu'est-ce que... Je peux pas être... T'as l'air si vieux, mais... Oh, je tourne la tête et tout, ça bouge en même temps, c'est vraiment... Attends. J'ai l'impression que c'est moi. Buddy, je sais pas ce qui se passe ici. Tu dois absolument retrouver Dana. Elle saura quoi faire. Tu devrais y aller. Non. J'y vais aussi. Non. Ok? Non. Ting 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 ting. Putain, c'est un putain de danseur le mec, regardez. On dirait un danseur irlandais. Bon. T'es prêt? Mais arrête de te parler à toi-même là. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'en suis sûr. Je peux pas utiliser la. Ah. Des bêtes là. Vous savez, il y a un truc que je déteste dans les jeux vidéo, c'est l'infiltration. Le truc d'infiltration où tu dois passer indiscrètement, j'ai horreur de ça, mais alors c'est vraiment un truc qui me. Et du coup, ben là, ça me gave. J'aime pas ça. J'aime pas faire style je passe. Il y a quoi là? Oh, super, je vais dans un cul-de-sac. Et je vais où là? Bon, coucou! Tu vas me frapper, je sais, voilà. Ah, je vois rien! Ah non! Ah bah, y'en a un autre là, je vais me faire buter. C'est obligé. Pas de chemin. On n'a pas suivi. Faire une petite balançoire. Hein. Ah! Cours! Je sais pas où je vais encore, hein. Oh! Suivre les câbles au sol. Il y a encore une caisse avec, j'imagine, une photo ou un texte, blablabla. Ouais, j'ai pas envie. Et là, il y a des piles. Voilà. Bon, on va monter. Putain, mais c'est grand, hein. Je peux aller partout là. On va aller en haut là. Parce que là-bas, il y a des monstres. Il y en a aussi ici, c'est génial.
secours. Au secours. Je sais pas s'ils rentrent dans les bâtiments. Ah, mais c'est un cul-de-sac. Je crois que j'ai trouvé le bon chemin là pour les éviter. Bon, sauf que là je vais devoir descendre. On va aller à la porte là-bas. Allez, descends. Allez, cours. Après, cours pas. C'est en douille. Ah. Oh là là. Oh, il est derrière moi, putain. Ou alors il est à travers le mur, je sais pas moi. Où je vais. Ça se trouve, je retourne en arrière là en fait. Je crois que c'était pas là qu'il fallait. Oh là là, je sais pas où je vais. Ah. On va aller vers le haut là-bas. Putain. Je crois qu'il faut aller là-haut là. Il faut que j'aille à les pieds là. J'aille en haut là, allez. Ta gueule. Oh, la jolie photo de rocher. On a super pouvoir de créativité. Oh, je suis venu là juste pour une photo. Bon. C'est bien beau les objets collectionnés, mais c'est pas que ça à faire. Bravo. Ah, j'étais sûr, j'allais me refaire attaquer par ce putain de feu là. La grosse explosion, boum boum boum, la sélection naturelle. Est-ce que je rentre dans la maison qui brûle? Et les arts qui brûlent tout seul. Si tu crois n'importe quoi tout ça, ce soi-disant savoir, c'est complètement stupide. Je sais pas où je vais, hein, au hasard. C'est un cul-de-sac, c'est génial. À quoi ça sert que je vienne là? Je ne sais pas. Bon. On avance. Il éclaire vers le haut, ce con. Ah, on va se mettre sur le piano, là, tranquillou. Ah ben non. Oula, il est derrière moi. Montagne, elle bouge, c'est quoi ce délire? Bon, il y a une musique angoissante, donc je sais qu'il est derrière moi. En plus, il y a tout qui tremble, il y a le décor qui bouge bizarrement. J'ai envie de regarder derrière, mais... Prends des piles, vas-y. Je regarde derrière. Non, il m'a pas suivi, en fait. Je sais pas pourquoi la musique, elle me fait stresser pour rien. Pompe à essence, c'est génial avec un ennemi qui fait du feu. C'est allez. Oh, il m'énerve à éclairer vers le haut lui, putain. Allez. Ah, il est là. Ding 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 ding. Ça sert à quoi si on regarde pas à quoi il ressemble? Oh putain, je vois les flammes à gauche. Avance. Ah, Dana. Attends, je vais quand même regarder ce qu'il y a là. On dirait la même baraque que tout à l'heure. C'est le même positionnement avec l'escalier qui descend. Ah! Pourquoi je peux essayer d'ouvrir là? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même positionnement des portes et tout. Ça sert à quoi? Bon.
Ah, ça fait mal aux yeux. En es-tu sûr? Y as-tu réfléchi? Tu veux retrouver les choses comme avant. Mais la douleur est toujours là. Elle est charmante. Je croyais en avoir assez de toi. Et pourtant, j'étais heureuse de te voir après tout ce temps. Je me suis peut-être trompée sur nous. Donc ça, c'est le début du jeu. Je ne sais pas. Oh, okay. C'est une décision importante. Reviens me voir quand tu auras fait ton choix. C'est le début du jeu, ça. Voilà, bon, on va faire une petite pause encore. Je ne sais pas si je suis loin de la fin du jeu, mais voilà, j'espère que vous aimez ces let's play. Puis on se voit bientôt pour la suite. À bientôt tout le monde.